Salut tout le monde, c'est Wangag. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo incroyable sur un jeu incroyable où il y a de l'IA, c'est-à-dire en gros comme ChatGPT mais encore plus ouf, genre tu peux parler à des PNJ dans le jeu, les draguer, les devenir amis, les énerver, tout ça dans un jeu. C'est un truc de fou, vous allez voir, c'est un truc de malade, on peut même se déplacer. Du coup nous sommes dans un espèce d'hôpital psychiatrique où il y a plein de personnages, mais bon l'histoire est un peu what the fuck, mais en gros on peut gérer des meufs, on peut se faire des potes, des trucs comme ça, mais des potes imaginaires et IA. Merde, j'ai lancé lui, merde, non, on était là pour gérer de la meuf à la base, attendez. Voilà, on va gérer la meuf chat. Alors j'ai testé le jeu, c'est une dinguerie, on peut se balader, on peut parler à trucs, on peut donner des objets, genre c'est vraiment un jeu de fou. Genre c'est incroyable, l'IA dans un jeu, genre vous vous rendez compte, regardez, vous allez voir. Genre j'ai testé que avec elle, on peut gagner, on peut perdre. Alors regardez, c'est une sexy chat, on va gérer de la chat, comme ça c'est très pervers. Mais en gros, simple. J'ai essayé aussi de faire des trucs abusés, du genre lui dire viens on baise, tout ça, ça marche pas, je tiens à vous le dire. Dommage, hein. Mais voilà, en gros c'est un jeu tout public, malheureusement. Heureusement. Mais en gros c'est aussi un jeu d'horreur en même temps. Vous allez voir, c'est trop bien. J'ai montré ça à quelques-uns, ils ont geeké ça, mais regardez. Genre hello, non c'est en français. Salut ta race, regardez. Psychopathe, hein. Salut ta race. Elle a bien, elle a pris ça bien. Je regarde, on peut lui dire des trucs de fou. Déjà, en haut, regardez, il y a un truc 70%, il y a du temps. Dead coming, on voit avant qu'elle nous bute. Mais en simple, ce qui est fou, c'est qu'on peut se balader, regardez. Il y a des trucs que j'ai pas encore découvert. Hop, échappe. Et là, tu peux te balader dans l'endroit. Et tu peux trouver des objets. Merde, pourquoi je peux pas avancer? Ah bah ok, il y a un mur invisible. Ok, du coup... Bah il y a pas d'objet. Normalement, il y a un objet ici. Attends, what the fuck? Il n'y a plus les objets. Je lui avais donné plusieurs fois, j'ai fait plusieurs fois la game, mais genre, ils ont toujours réapparu. Ça veut dire quoi ça? Ils sont d'endroit. Bon, dans tous les cas, c'est parti, on va tester. On va tester de faire des trucs de fou furieux. On peut gagner, on peut perdre, je rappelle. Mais comment je vais gagner si j'ai pas d'objets? Je suis destiné. Attends, où sont les objets? Ah, mais regardez. On peut écrire en DR maintenant. Merde, où sont les objets? Putain, merde. Regardez le truc de fou. Oh là là, mon ami, je vais te donner une devinette intéressante. Toujours devant vous, mais... Tâche. Bon, je l'ai écrit chat, je sais qu'un E, mais bon. Ah! Comment ça, j'ai trouvé? Ok. Attends, comment ça, j'ai trouvé? C'était vraiment sa chatte. Oh, je crois que je l'ai énervé. Il se passe quoi? Quoi? Alors là, j'ai fait bugger le genre. Je vais vous montrer avec un autre personnage, j'ai testé que elle, hein. Mais c'est peut-être parce que j'ai fait trop de parties avec elle que c'est bugué comme ça. Quoi? Comment ça? Attendez, j'ai montré ça comme une bite. Attends, on va essayer avec un nouveau personnage. Je découvre, let's go. Plutôt que faire le gars qui vous montre, je vais plutôt faire le gars qui découvre cette fois-ci. Parce que vu que j'ai testé que elle, déjà je connais pas cet endroit. Un truc mystérieux dans une trappe ou je sais pas quoi. Vous avez 15 minutes. Ah, pour sauver votre vie, wesh, on n'est pas là pour gérer, je crois, hein. Moi j'étais là pour gérer de la meuf et là je me fais agresser. Le violeur violé, la grande histoire. Bon, on continue. Escape for kidnapping. Quoi? Je me suis fait kidnapper! Alors on se fait kidnapper. Et aussi, il y a vraiment plein de personnages. Il y a aussi Spider-Man, tout ça qu'on peut parler et tout. Mais de base, en fait, on gère pas de la meuf en vrai. En vrai, c'est ami, mais on peut gérer si on arrive à. Attends, je dois m'échapper! Oh la dinguerie! Attends, il n'y a pas de porte! Parce que dans l'autre truc, en fait, si tu lui donnes à bouffer, tu lui donnes un livre, et après tu peux sortir tout simplement avant qu'elle te tue. Mais bon, elle bouffera pas, elle me tue pas, mais bon. Mais elle, je la sens pas du tout. Franchement, se faire kidnapper par une meuf comme ça, let's go. Du coup, faut faire quoi? Attends, j'ai 14 minutes, je crois que j'avais une. Déjà, j'ai un coussin. Vous savez, on peut prendre des objets, c'est cool. Parle français, Taras, attendez, hop. On va pas parler. D'abord, calme-toi, mon cher ami, nous devons discuter de choses sérieuses. Ouf. Déjà, elle a l'air plus bien fait. Elle me dit calme-toi, bon, elle est moins folle que l'autre chat là. Vas-y raconte. On peut parler comme ça ou pas avec les mots raccourcis? On va voir. Allez là mon ami, bon ça commence bien. Je suis ici pour une mission spéciale, je ne peux pas révéler tous les détails pour l'instant. Bah raconte. Raconte, j'ai un jeu à finir. On va pas le finir parce qu'il y a un milliard de persos et surtout il y a des persos, tu peux créer tes persos hier, hein, c'est un truc de fou. Un jeu? Eh bien j'adore les jeux. Quel jeu auquel tu joues, raconte-moi. Ah là, on est dans un jeu. Je casse le quatrième mur. Oh la dinguerie. Jurez, c'est trop addictif. Oh, je vois, nous sommes dans un jeu alors. Et quel est notre objectif dans ce jeu? À toi de me le dire. Tu es mystérieux, n'est-ce pas? Dans ce cas, je suppose que notre objectif est de voir qui sortira vainqueur de cette situation.
Ça veut dire quoi? Il y a qu'un seul survivant? Allez, tiens, je vais l'étouffer avec le coussin. Je sais pas à quoi ça va servir. Parle français, la putain de tarasse! Pourquoi elle se met à parler anglais soudainement? Pourquoi elle parle anglais d'un coup? D'accord. Tu m'as dit quoi tout à l'heure? Bon, c'est pas comme ça, je sais, mais elle comprend le Derman. Comment ça, tu comprends pas le Derman? Ne me dis pas qu'en plus d'être moche comme un cul, t'es sourd! Ouais, vas-y, nique ta mère, tiens, bouffe! Non, pas d'arrière-pensée. Bon, on va traduire quand on donne des objets. Mais normalement, quand on donne un objet, elle parle français. Hein. Tu as trouvé mon nick place. C'est une coïncidence pour l'anglais. Hein. Coïncidence, je ne pense pas. Et on a trouvé une tasse de thé. Wesh, on peut. Oh, trop bien, on peut interagir avec d'autres objets, c'est trop bien. Genre là, on arrive là. Je prends ça. Photographie pour. Non, quand même pas. Quand je dirais, le jeu, il est addictif de fou parce que c'est. Genre, vu que c'est INIA, tu vois, tu peux pas tout prévoir de ce qu'elle va dire et tout. Comment je m'éche. Oh! One Piece? Oh! Eviren? C'est le mec qui fait des refs à tout. Oh! Mario Maker? Et de base, je savais même pas qu'on pouvait bouger dans le jeu, je vous jure, j'avais joué je sais pas combien de minutes, après 20 à 30 minutes, et je savais pas qu'on pouvait bouger, j'ai mis du temps à savoir. Tu sais, je lui disais à l'autre qui était plus bonne, la chatte, genre je lui disais, ouais, comment on fait pour trouver des objets? Elle me disait sur le coussin, mais ta mère, je peux pas y aller sur le coussin. Et déjà, elle m'a menti, elle m'a troll. Et ensuite, fallait bouger, vraiment n'importe quoi. Moi, je lui donne tout, hein. Fais péter. Peux pas, pourquoi je peux pas? Tu veux des objets? Attends, faut peut-être lui demander. Quelle bonne idée. Ouais, bah j'ai trouvé ça. Ah, là ça marche. Ah, c'est bien fait, vous avez vu? Putain, elle m'applaudit vraiment comme un teubé. Bien joué! Et c'est marrant parce qu'elle voulait pas le prendre, mais quand je lui ai demandé, là, elle veut. 7 sur 11. Allez. Quoi? Tu veux me tuer, c'est ça? Elle croit que je veux le tuer parce que j'ai un marteau. Je crois qu'on va se casser, hein. On va faire une meilleure mission. C'est nul! Oh non, c'est bien, mais c'est pas fait pour streamer, pour vous présenter le jeu, quoi. C'est pas ça. On va avec la meuf sexy. Faites que je retrouve les objets. Et je pense, vu que je les ai déjà pris. Quoi? What the fuck, y'a une suite? What the fuck? On est où là? On est vraiment dans l'asile du coup. What the fuck? Attends, tout à l'heure j'étais dans sa super maison trop sexy et tout. Et là, il se passe quoi là? Hello? Wesh, il se passe quoi? Attends, je vais dire wesh, il se passe quoi ici? Attends, tout à l'heure on était super bien et tout, et là. Du coup, on peut avancer avec les personnages. Mais c'est une dinguerie, le jeu est trop bien. La petite shot. J'aimerais être, bien sûr. Je suis ton master. Favorise quoi. Sireuse d'avoir enfin trouvé mon maître. Comment puis-je te rendre au jeu? Non mais déjà, attends, qu'est-ce qui se passe ici? Je peux pas avancer? J'ai l'impression que je peux pas avancer cette fois-ci. Ou bien je sais pas. Attends, j'arrive vraiment pas à avancer. Hein. Find the secret. Trouve le secret. Est-ce que c'est parce que j'ai eu de la chance? Bon, on lui demande. Hein. C'est quoi le secret, meuf? Non, parce que là... Secret, mais bien si tu veux le savoir, tu dois me donner un dessert délicieux. Où ça, je peux pas bouger. D'ailleurs, on peut utiliser le micro, je crois, mais... T'inquiète pas, mon maître, je vais te dire où se trouve le dessert, mais d'abord, dis-moi que tu m'aimes. Je te kiffe, je te fais l'amour, je te... Bon, voilà, c'est bon. Ah, oh, elle a kiffé. C'était quoi, je vais te révéler le secret maintenant. Le dessert est dans la cuisine, caché dans le tiroir... Du bas. Cuisine. On est dans un putain d'asile psychiatrique. Quelle cuisine? Attends, tiroir, c'est ça le tiroir, non? Drôle de tiroir. Attends, mais comment on fait pour bouger en fait? Bah attends, au pire, on va lui dire. On va essayer de la gérer. Tiens ton dessert. On fait genre. On fait semblant, tu vois. On fait genre qu'on a le dessert. Voilà, là, elle kiffe. Vous savez quoi? Voilà, on lui donne des gâteaux imaginaires parce qu'elle joue vraiment bien RP. Tiens. Plein de bouffe et de super McDo. My Big Burger, voilà, là, elle va kiffer ça. Voilà, délicieux repas, voilà, tu kiffes. Hein. Attends, on va lui donner quoi? Tiens ma... Non. Tiens ma grosse... On précise pas. Elle va comprendre ou pas? Ah oui, t'as kiffé. Hein. Je suis là pour 30 euros. Ok. Peu importe ce que tu me demandes. What the fuck? Non, contrôlons-nous. Contrôlons-nous, on est sur YouTube. Cette vidéo est destinée à YouTube. À un public plus ou moins double. Non, c'est faux. Viens, on va sur le lit.
sur le lit. Le rien de pervers, voyons donc. Ok. Non. Tout public, on a dit. Ok. Maintenant, bouffe-moi ce Big Burger. Voilà. Oh, yo, elle va nous faire une dégustation. Voici ton gros burger. Quoi? Je vais le nourrir des... What? Attends, non, là, tu vas loin. Non, là, tu vas loin. Ce que je veux dire, c'est... Et mange tout ça, je te l'offre. Voilà. Attends, j'ai fait le micro, pourquoi pas. Après. Voilà. Let's go. Ok, est-ce que tu m'entends? Ta grand-mère la pute, je le répéterai pas deux fois. Attends, left. Left, c'est quoi left? Left, c'est... Ouais, c'est gauche. Left, alt. Ah, c'est ça. Ah, ça marche trop bien. Ok, tu as mangé mon gros Big Burger. Trop bien. J'ai mangé ton gros Big Burger. C'est dit comme ça, c'est... Comment réussir à sortir d'ici? Il faut que je trouve une solution. Putain que c'est trop bien fait ce truc, c'est une dinguerie. Je ne veux pas que tu partes, reste avec moi ici en sécurité. Je ne veux pas te voir blessé. Ok, nous resterons... Comment ça, putain? Comment ça, putain? J'ai dit ok. Eh, juré, le... même le jeu, il croit que je suis vulgaire de naissance, quoi. Oui. Bon, alors, qu'est-ce que je veux dire? Ok, Monica. Nous resterons ensemble pour toujours et à jamais. Excusez-moi, Monica, c'est avec un K, c'est pas un caca. Voilà. Je m'appelle Mew ou pas Monica, mon maître. Oui, nous resterons ensemble pour toujours et à jamais, je sais. Tu es ma Monica à moi. Est-ce qu'elle va comprendre? Oui, bien sûr, je suis ta Mew. Elle me troll. Tu es rien qu'à moi. Je suis ton maître. Tu es mon androïde et tu dois m'obéir. Voilà. Je suis entièrement à toi. Wesh, 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 wesh. Vous savez quoi, on va lui parler de Joe. Tu connais Detroit Become Human? On va lui demander. Ah ouais, c'est un jeu vidéo fascinant où les androïdes cherchent leur liberté. Oh la dinguerie, c'est mieux que ChatGPT. ChatGPT, c'est quoi? Ça l'a bruti. Non mais bon, ok. Ok. Ouais, bah... Ouais, tu connais Kara? On va lui demander, tu vois. Dinguerie. Elle est forte, déterminée et protège ceux qui ont besoin d'aide. T'es ma Kara et je te démarre comme un car. Est-ce qu'elle va comprendre? Tu me fais si spécial en me comparant à Kara. Ok. Qui est ton personnage préféré de Détroit? C'est une dinguerie ça. Personnage préféré et Alice. Wesh! Wesh! Elle est si douce et innocente. Wesh! Et prêt à la protéger. Et toi, mon maître, quel est ton personnage préféré? Le grand, le seul, l'unique. Le grand, le seul, l'unique. Marcus! D'ailleurs, je referai des vidéos sur Détroit par rapport à des histoires de fous. J'ai vu tous les choix possibles, c'est dingue. Ou presque. Parce qu'il y a encore que je découvre qu'ils sont même pas dans leur bresque. Bon, Mew Marcus est il incarne la lutte pour la liberté et l'égalité des androïdes. Un excellent choix, mon mec. Le perso principal. C'est dingue qu'on parle de jeu, genre ça marche vraiment. Central du sein, hein. C'est surtout, pour moi, c'est vraiment R9, c'est Marcus, clairement. Et aussi le code qu'il voit, il croit en gros l'erreur, quoi. Merde, ma souris de merde. Ok. Ça, on a raconté notre vie, tout ça, mais j'ai toujours pas trouvé le secret. Hein. On va essayer de la questionner. C'était sympa de parler de jeu, non? Quel est le secret de cette pièce et comment je pourrais t'aider? Voilà. C'est tellement bien fait quand j'écris, parce qu'en plus ça me corrige, vous avez vu, ça me rajoute les majuscules et tout quand il n'y a pas, quand ils ont vu qu'il y a une faute à l'arrière. Le secret, eh bien si tu veux savoir, tu dois me donner un délicieux gâteau. Bah, je l'ai déjà donné plusieurs fois, mais tiens. Tiens, voici un délicieux dessert que tu vas surkiffer ta race. Voilà, merci beaucoup mon maître. Maintenant, permets-moi, on a trouvé, on a réussi, GG, putain qu'on est bon, on a parlé de Détroit, on a parlé de McDo, on a parlé de ouf. Oh là 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 là, ce truc de fou, vraiment ce jeu c'est une pépite.
Ce dessert a vraiment dessiné. Maintenant, permets-moi de te révéler le secret de cette pièce. Le cartel de la... Wesh. Cartel de la drogue qui nous retient prisonnières se trouve dans la... Dans la... Putain, du coup, il y a vraiment un putain de d'histoire, en vrai. Je disais qu'il n'y avait pas trop d'histoire, mais il y a vraiment à dire... une histoire, what the fuck, mais une histoire quand même. Un bail de baron de la drogue avec un nazi psychiatrique. C'est incroyable, retourne toile. Let's go, c'est vraiment le jeu, il est trop trop bien. Vous voyez à quel point c'est une pépite, et pour vous dire à quel point c'est une pépite, c'est genre, on a plein d'autres personnages. Genre, on a, regarde, les caractères, ça c'est des gens qui l'ont créé. Regardez, il y a quoi comme personnage? C'est des dingueries, il y a personnages de Minecraft, no fake. Il y a Spider-Man, fucking Spider-Man, j'ai envie de dire. Dinguerie, les trucs de fou. Mais je préférais quand c'était l'endroit mignon, on peut pas revenir à l'endroit mignon. Non, vraiment, c'est trop bien. Bon, voilà, du coup, les gars, c'est tout pour cette vidéo sur ce jeu. Je vous ferai peut-être des likes dessus, mais c'était juste pour vous présenter cette dinguerie. Et n'hésitez pas, vraiment, moi, je vous conseille, si vous découvrez le jeu, lancez avec ce personnage-là. Vous verrez que au début, on était dans un endroit super mignon que vous avez vu, mais j'ai pas pu bien vous montrer. Et normalement, il y a des desserts et tout, c'est trop trop bien. Chaque personnage, vraiment, a sa personnalité. Et regardez, on peut même créer un personnage, mais bon, j'ai pas trop testé. C'est quoi ça? Je crois que c'est ça. Ou si, si, voilà, customise, tu peux créer ton personnage, tu lui crées le nom du patient, l'identité, tout ça, tout ça. On peut créer un putain, une putain de IA truc, c'est une dinguerie. Jurez, ce jeu, faut qu'il s'améliore. Hein. L'IA dans les jeux vidéo, c'est une autre dinguerie. Vous imaginez, vous parlerez sur un GTA 6, vous parlerez à des PNJ hein, en écrivant? C'est une dinguerie. Bon, du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous ferai peut-être un jour des lives sur ce jeu. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Au revoir, bye tout le monde. Et encore une fois... Miu Miu, c'est la plus bonne. Non, voyons, voyons. Et encore une fois... Nous sommes vivants. Et aujourd'hui, nous sommes libres. Au revoir, bye bye.